Ce soir, nous vous amenons du côté de Bodje, dans l'autre plat de résistance, pour parler effectivement des enjeux autour de l'exploitation minière, dont la convention a été signée le 6 mai 2022, ici même à Yaoundé, entre le gouvernement camerounais, représenté par le ministre des Mines, Gabriel Ndokindoké, et la partie chinoise par le président justement de l'entreprise Sinostel. Une convention qui continue donc de faire couler beaucoup d'encre et de salive quant à sa mise en place et son exploitation, surtout du côté des populations riveraines qui estiment justement que cette exploitation-là viendrait mettre en mal leur économie locale constituée, il faut le dire, de l'écotourisme. Ce village, justement, c'est Bodje. Nous allons nous y déporter ce soir pour essayer d'en comprendre, de comprendre globalement ce qui se passe de ce côté et surtout d'essayer de tirer des ramifications. Okay. Ce sera donc... Et Bodje, c'est dans l'arrondissement de Kampo, département de l'Océan, où justement se joue l'avenir de tout un peuple autour d'un projet minier dont la convention a été signée ici même à Yaoundé le 6 mai 2022 entre le gouvernement camerounais et l'entreprise chinoise Sinostel. Les populations dénoncent donc un projet visant non seulement à détruire l'écosystème et tout au moins la culture et davantage compromettre leur avenir pour ce qui est justement de l'exploitation et de la mise en œuvre de ce projet. Elles ont donc, depuis pratiquement 3 semaines, par l'entremise de leur chef, elles ont émis une pétition qui a fait large diffusion au niveau des réseaux sociaux, appelant donc le chef de l'État à se manifester pour ne pas donner son accord justement à la viabilisation de ce projet. Alors, Christian, avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de rappeler un peu cette pensée de l'ancien gouverneur général de la Nouvelle-Zélande. C'était Paul Reeves. Il disait ceci: l'homme est un être insensé. Il vénère un dieu invisible et détruit une nature visible, oubliant que le dieu invisible qu'il vénère, c'est la nature visible qu'il détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nature est sacrée. L'environnement, de manière globale, elle est sacrée. Donc, pour pouvoir la détruire, il faudrait que la raison soit hyper importante, que peut-être même nos vies en dépendent. Quand j'ai dit ça, je reviens donc à votre question pour dire que la pétition continue à faire son petit bonhomme de chemin. C'est difficile. Le chef de l'État, on a envoyé une mouture au chef de l'État, mais vous savez, on ne peut pas savoir si le président de la République a déjà reçu ça sur sa table. Parce que c'est quand même des canaux, des bureaux, des personnalités chez qui ce dossier doit pouvoir passer avant d'arriver chez le chef de l'État. Donc, la pétition suit son cours. Et au niveau des médias, la quasi-totalité des médias au Cameroun sont déjà informés. Et certains, notamment Montredio, a déjà commencé un travail sur la question pour dire que ce projet... On n'estime pas qu'il soit idéal à cet endroit. Je vais vous donner quelques exemples d'entrée de jeu. D'abord, le village de Bodje a été érigé en village écotouristique. Et ça soulève un problème, celui de la coordination des ministères. Parce que si le ministère des Mines avait un temps soit peu, les équipes du ministère des Mines avaient un temps soit peu travaillé avec leurs collègues du ministère des Loisirs et du Tourisme, on aurait certainement compris que ce village est un village écotouristique. Parce qu'il faut préciser une chose, quand on parle de gisement de fer de Lobé-Kribi, ce n'est pas vrai. Ça se trouve au mont Mamel. Le mont Mamel est justement sur le territoire de Bodje. Parce que Lobé-Kribi, c'est l'arrondissement de Kribi Premier. Tandis que le mont Mamel, où se trouve ce gisement, se trouve effectivement dans l'arrondissement de Kampo. C'est la première précision que je voulais faire. La deuxième précision, c'est que je ne sais pas, peut-être Hervé Pierres, qui est avec nous dans ce studio, qui probablement en connaît un peu plus, me dira, je ne sais pas dans quel pays au monde on a développé une activité industrielle, notamment une industrie extractive, qui est reconnue comme très polluante à côté d'un site touristique. Je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Je regardais il y a quelques jours le journal d'une chaîne française, France 2 pour ne pas la citer. Aux États-Unis, on est reparti dans une mine, une ancienne mine, pour exploiter le fer. Avec la guerre en Ukraine, pardon, ils ont quelques soucis maintenant avec le fer. Donc, ils sont obligés de repartir pour relancer l'exploitation. Mais c'est tellement éloigné des populations parce que c'est une industrie, comme je vous dis, hyper polluante. La forêt va être détruite. Moi, j'ai un peu listé l'ensemble de projets. Il va falloir construire une unité de production d'énergie. Il va falloir construire une entreprise qui va aller au fond, creuser la terre, extraire ce gisement, il va falloir construire des complexes et autres. Non, c'est suffisamment polluant. Non seulement on va utiliser des produits chimiques,
Ébouillé, la plage d'Ébouillé, l'océan Atlantique est là. Et vous et moi, nous étions à Ébouillé, on a vu la beauté de cette plage. Et ça inquiète les populations. Elles se disent, mais si cette activité arrive ici, d'abord, la forêt va être détruite. Ça, c'est clair. Vous n'allez pas faire une exploitation industrielle comme celle-là sans détruire la forêt. Ce n'est pas possible. Donc, la forêt va être détruite. Et la forêt va être détruite sur quelle distance? Je crois que c'est 802 hectares. Donc, 138 km carrés. Et l'exploitation va durer 50 ans. Alors, vous imaginez tout ce qu'on aura détruit en 50 ans. Comment est-ce que la nature... Combien de temps faudra-t-il attendre pour que la nature reprenne ses droits dans cet endroit? Christian, c'est inimaginable. C'est inimaginable. À la limite même, c'est choquant. Et donc, la population a peur. Soit le village va disparaître, ou alors elles n'auront même plus d'activité touristique. Et que va devenir ce village? Une zone qui a déjà un label écotouriste. On ne comprend pas comment est-ce que dans le document final du projet, il n'a pas été évoqué ce volet. D'autant plus que la zone d'Ébouillé, comme vous allez le constater, il y a des espèces de tortues là-bas. Il y a des tortues là-bas qui sont, c'est-à-dire que le monde entier a des yeux rivés sur Ébouillé à cause, ne serait-ce qu'au niveau des tortues qui vont disparaître dans tous les cas. Et c'est l'un des rares endroits où cette tortue-là vient se reproduire. Donc, c'est déjà une particularité. Parmi elle-même, il y a une espèce qui semblera qui se retrouvera que sur les plages d'Ébouillé. Elle s'appelle la tortue olivâtre. C'est la plus grande tortue au monde. Exactement. Et on la retrouve sur les plages d'Ébouillé. Exactement. Donc, je disais tantôt qu'il y a un véritable problème au niveau de la conception des projets. On se rend compte que le cahier des charges ou bien le programme qui avait été mis sur pied pour l'élaboration de ce projet n'a pas été respecté. C'est pour ça que nous avons encore dit sur ce micro aussi que c'est, on a comme l'impression que les choses ont été bâclées. Le projet a Qu'est-ce été bâclé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire concrètement sur le terrain pour voilà. Ne serait-ce que le côté environnemental. Ou sur le plan environnemental. Ne serait-ce que le côté Parce environnemental. Que sur le plan justement de la gestion du projet de l'exploitation minière, nous aurons Eric Etoga tout à l'heure en ligne qui va nous expliquer la démarche naturelle qu'il aurait fallu peut-être adopter. Mais sur le plan environnemental, pour peut-être apaiser les inquiétudes des populations, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire concrètement sur le terrain? Très bien. Je veux appuyer sur deux points. Le premier point, ce qui devait être fait, c'est déjà mené d'abord dans les études de faisabilité de ce projet. Il était question de faire des études d'impact, des pré-études d'impact, pour voir dans quelle mesure est-ce que le projet peut davantage affecter ou bien impacter les populations. On a vu le cas avec Lompanga, où vous voyez qu'à plus de 300 km, l'impact de la mise en œuvre de la population de Nanga. Vous avez vu à quel endroit est-ce que l'impact passe répercuter. Donc, c'est le même, à forte raison pour Ébouillé, nous voyons qu'Ébouillé est site même. Donc, nous pensons que si déjà on ne prend pas en compte les personnes qui sont directement. Combien de fois l'eau. Donc, moi, je dis, il y a un problème au niveau de la réalisation des études d'impact. La deuxième, c'est déjà la communication, l'implication des populations. La communication, parce que dans la démarche pour la réalisation d'un tel projet, les personnes qui devaient être les plus impliquées devaient être les populations. Or, comme vous avez évoqué, et lorsque vous voyez, par exemple, les efforts que certains communicateurs ont fait, parce qu'il y a beaucoup de communicateurs qui sont descendus sur le terrain pour davantage avoir un maximum d'informations sur ce projet. Mais vous vous rendez compte que les riverains vous disent c'est lorsque ils prennent l'information. Donc, dans les médias. Avec la signature de la convention. Ça veut dire qu'on se rend compte que ces derniers n'ont pas été impliqués dans le processus qui devait mener à la validation du projet. Ce qui est une erreur gravissime. Puisque aujourd'hui, que ce soit au niveau des bailleurs de fonds, l'une des conditionnalités pour le financement des projets comme celui-là, c'est déjà la validation de l'étude d'impact environnemental. Et cette validation-là, les premières personnes qui doivent valider, ce n'est pas la validation du ministère, mais c'est les populations. Parce qu'à l'intérieur, les populations non seulement acceptent, mais valident le cahier des charges, valident le plan de gestion environnementale qui doit être produit à l'intérieur. Or, avec cela, c'était même déjà une arme pour l'État pour brandir et dire, mais voilà, ceux-ci, ils ont accepté. Voilà le document final qu'ils ont, tout le monde a validé. Et on ne comprend pas comment aujourd'hui ils viennent se plaindre. Donc moi, je pense que
au niveau de la démarche, la démarche a été biaisée. La démarche, dans le cadre de la rédaction du rapport final pour la mise en place de ce projet-là, a été biaisée. Donc, comme nous avons dit, un défaut de communication, et ce défaut de communication-là, vous allez le constater, se répercute sur un certain nombre de projets, parce que vous allez voir le côté environnemental. Étant entendu que les populations sont vulnérables, généralement, on se rend compte que dans le processus d'élaboration du projet, c'est la partie faible. Donc, du coup, on pense que on peut les négliger. Mais nous nous rendons compte qu'avec la mobilisation que nous sommes en train de voir, nous pensons que normalement, cette mobilisation-là portera des fruits. Parce que Christian, le chef m'explique que, comme vous l'avez dit, il découvre il découvre le projet grâce à cette signature. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été consultés. Et même, plusieurs personnes ont fait des sorties sur cette question. Et j'ai encore en mémoire l'association des ingénieurs géologie et de mines du Cameroun, qui a également fait une sortie pour préciser que, premièrement, un, il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental. Deux, il n'y a pas eu de plan de gestion environnementale. Troisièmement, la population elle-même n'a pas été consultée parce que c'est elle qui va subir le projet. Qu'est-ce qu'on pense de cette population? Même si à la fin, l'association a quand même demandé au chef de l'État de valider, mais je peux les comprendre parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de géologues qui sortent des écoles, n'ont pas d'emploi, ça va créer des emplois. Mais au moins là, ils soulèvent un problème sérieux. Pourquoi est-ce qu'on peut valider un projet comme celui-là sans pour autant que les principales personnes qui seront impactées ne soient touchées? Je vous donne un petit exemple. Vous parlez de Campo. Campo est un endroit aujourd'hui qui renferme une biodiversité. Bénéfice, je me pose encore beaucoup de questions. Tout à l'heure, Hervé disait des conditions pour les bailleurs de fonds. Mais on sait qui a signé le projet. C'est Sinostyle. Sinostyle, c'est qui? C'est la Chine. Il y a même un autre ingénieur camerounais qui disait que le projet, la certification, n'est-ce pas, des résultats de prospection ont été faits par un cabinet chinois. Ben, on ne peut pas être jugé parti. Et le Cameroun, malheureusement, n'a pas fait de compte expertise. Et donc, du coup, on se retrouve dans une histoire un peu... Et puis, en clair, ce que vous semblez dire, et c'est la question que j'allais vous poser, vous garder la parole, c'est de savoir aujourd'hui, au niveau de la convention, vous l'avez relevé, on parle justement d'une convention d'exploitation minière au niveau de la Lobé. Oui. Et pourtant, le site d'exploitation sur le terrain se trouve à Ebodje, Mont-Mamel, Ebodje qui dépend de l'arrondissement de Campo. Et la Lobé qui dépend de l'arrondissement de Kribi Premier. Est-ce que donc, j'allais dire, cette confusion géographique et de localisation est un signe de ce qu'il n'y a peut-être jamais eu véritablement une descente sur le terrain de ce côté? Bon, je ne peux pas répondre parce que c'est le ministère des Mines qui aurait dû répondre à cette question. Mais ça traduit quand même, Hervé le disait tout à l'heure, une sorte de travail qui a été bâclé. Parce qu'on ne peut pas me dire que dans le département ministériel, qui s'appelle le ministère des Mines, il n'y a pas des géographes, il n'y a pas des gens qui connaissent le terrain, il n'y a pas des gens qui savent que le Mont Mamel se trouve dans l'arrondissement de Campo et que Lobé et Kribi, c'est dans l'arrondissement de Kribi Premier. Non, il n'y a pas, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas de gens qui le savent. Donc, probablement, ça a été fait à dessein pour peut-être... Parce qu'il faut, il faut peut-être connaissant oui, ce qui a été fait, peut-être pour essayer de créer la confusion, Mais malheureusement, il y a des gens qui vont en souffrir et ces gens ont décidé de ne pas se taire. La deuxième chose maintenant, et qui est même liée à la première, c'est la première qui est liée à la deuxième qui est liée à la première. On ne peut pas tout évaluer en matière d'argent sur le plan pécunier. Tout ne peut pas être évalué en termes d'argent, parce que on a comme l'impression qu'on risque de brader même nos vies pour des questions d'argent. Je dis encore ceci, que c'est pour ça qu'avant la réalisation d'un projet, il y a des études préalables qui sont faites. Pour ces études-là ont pour but de valider si le projet est exécutable ou pas. Ce n'est pas pour dire que dès qu'on a un minerai quelque part, hein, automatiquement on va venir extraire. C'est-à-dire que même si, quelles que soient les conséquences qui vont intervenir, on exploite. Non, nous disons que le cas des Bourgiers, c'est un cas palpable qui nous interpelle pour nous dire c'est pas parce qu'il y a un minerai ou bien pas parce qu'il y a une exploitation à faire quelque part, automatiquement, au mépris de tout ce que nous allons faire comme protection de l'environnement. Parce que aujourd'hui, les grandes puissances ont compris. Le centre de leurs préoccupations, c'est l'environnement. Le sort de la terre, oui, vous l'exploitez. Quel est l'héritage qu'on va laisser à nos générations? Bon, ça veut dire que parce que pour des besoins financiers ou bien des besoins d'argent, on doit exploiter ce gisement-là. Et
une population doit disparaître. Donc moi, je pense que vraiment, s'il faut être sérieux, je dis, ce projet, oui, il y en a plusieurs au Cameroun. Il y a plusieurs gisements au Cameroun. Je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions aussi accepter les choses qui viennent en face. C'est-à-dire être capable de dire, oui, il y a un projet comme celui-là et qui, en l'état actuel, au regard des conséquences que ce projet-là peut avoir au niveau de son exploitation, il faut qu'on soit capable d'informer la haute hiérarchie, c'est-à-dire que l'État, le président de la République, lui dit, oui, il peut nous donner beaucoup d'argent, c'est une source qui va nous permettre d'avoir des emplois, mais au regard de l'impact de ce projet-là, nous pensons qu'il faut s'y soit et davantage mûrir ce projet, parce que nous pensons que ce projet, si il n'est pas pris à la hâte, s'il est étudié vraiment dans des détails, nous pensons qu'on peut trouver une solution qui pourra arranger tout le monde. Mais nous, à l'heure, au moment où nous prenons connaissance de ce projet, nous pensons que les choses ont été faites vraiment là. Oui, je pense que les populations ont des raisons de crainte. Moi, j'ai suivi l'ESPER, Eric Etoga. Ce que je vais dire, c'est que c'est un technicien. Et il vous parle de son domaine précis. Mmh. Sauf qu'il ne maîtrise pas la zone. Mmh. Il ne connaît pas Ebouye. Il parle de la mine, comment il faut exploiter une mine, qu'est-ce qu'il faut faire pour exploiter une mine. Mais il ne sait pas exactement que représente l'arrondissement de Kampo. Le chef de l'État de ce pays est allé à la Coupe de 2015 à Paris. Voici ce qu'il a dit au monde entier. Le Cameroun s'engage à réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre. La dernière Coupe, récemment, le Cameroun a encore eu une CDN plus ambitieuse. Plus ambitieuse. La forêt du bassin du Congo est aujourd'hui, est en passe même de devenir le premier poumon de la planète. De la planète. Et Bodie, pour ne pas parler de Bodie, Kampo de manière globale, a une forêt dense et humide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un puits de carbone que nous devons capitaliser. Pourquoi détruire la forêt pour une exploitation minière? Alors que moi, depuis qu'on parle de fer au Cameroun, j'ai entendu parler de Mbalam, j'ai entendu parler de Ngovayan, j'ai entendu parler de Nkout, Ntem. Je n'avais jamais entendu parler de l'Obékrivi. Subitement, ça sort. Pourquoi? Où? Dans une zone qui est un poumon, un puits de carbone. Pourquoi ne pas exploiter? Aujourd'hui, le financement carbone existe. Et nous avons des experts au ministère de l'Environnement qui connaissent la négociation. Si vous allez rencontrer le directeur de l'ONAC, de l'Observatoire national des changements climatiques, c'est un expert en matière de négociation sur les financements carbone. Pourquoi le Cameroun ne peut pas tirer profit de ça? Je vous rappelle que la Grèce a une économie basée essentiellement sur l'industrie touristique. Ça rapporte beaucoup d'argent en Grèce. Pourquoi le Cameroun ne peut pas développer le tourisme? On a déjà commencé avec l'écotourisme. Quand vous allez à Ebouye, avant l'arrivée du Covid, on vous dit qu'en moyenne, chaque année, c'est au moins 200 touristes qui arrivent sur un endroit qui n'a même pas de route. Pour arriver à Ebouye, pour ceux qui ne savent pas, quand vous arrivez à Kribi, si vous avez raté le véhicule le matin, vous attendez le lendemain. Si vous prenez la moto, c'est 10 000. La moto qui vous transporte de Kribi à Ebouye, à moins de 60 km, c'est 10 000. Il n'y a pas de route. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas exploiter le côté écotouristique? En Kouélon, qui est encore un village de cet arrondissement, qu'est-ce qu'on nous disait là-bas? Il y a un oiseau qu'on appelle le picatarte. On ne le retrouve pas dans beaucoup de pays au monde. Le Cameroun, là. Les gens partent des États-Unis pour venir voir le picatarte. Et tout récemment encore, la mairie de Kampo, dans son budget 2021, a voté une ligne budgétaire pour refaire les maisons pour accueillir les touristes qui viennent en Kouélon. Pourquoi on ne peut pas développer ce secteur touristique? Pourquoi on laisse des pans entiers, n'est-ce pas, qui peuvent rapporter de l'argent à l'État pour aller subitement à l'exploiter le sous-sol? Il a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est obligé forcément d'aller tout puiser dans le sous-sol? Regardez les immeubles qui poussent dans la ville de Yaoundé. Si on payait les taxes sur l'immobilier seulement, Christian, je vous assure, ça fait des milliards et des milliards qui entrent dans les caisses de l'État. Pourquoi voudrait-on forcément détruire cette localité? Moi, je n'ai rien contre l'ESPER. L'ESPER, lui, il parle en ESPER, il parle de la question minière et autres, ce qu'il y a lieu de faire. Mais il ne connaît pas la localité. On aurait pu aller développer cette industrie dans un coin
où il n'y a pas de forêt comme celle-là, que ça n'aurait causé aucun problème à personne. Mais qu'on aille le développer à côté des sites touristiques. Je dis, Ebodje, Nkwelon, c'est des villages écotouristiques. Vous avez entendu parler de Campo Beach. Campo Beach, qu'est-ce que les gens partent faire là-bas? Quand vous avez fini de travailler, comme vous bossez ici chaque jour, de jour comme de nuit, vous prenez un week-end, vous dites, ok, je m'en vais me reposer à Ebodje. Les bruits de vagues de l'océan, une tranquillité. Vous mangez bio. Est-ce que ce n'est pas bien? Quand cette activité va commencer, Christian, je vous assure, vous allez avoir des gens qui auront des cancers de poumons, qui auront des maladies inimaginables. Parce que c'est des produits chimiques qu'on va utiliser. Faut pas qu'on se leurre. Savoir, vous qui êtes environnementaliste et qu'on a découvert que le sous-sol des Ebodje, notamment le mont Mamel, regorge des minéraux et qu'il faudrait justement en exploiter. Vous dites non, il ne faut pas le faire. Jusqu'à quand est-ce qu'on allait garder ces minéraux-là? Il fallait bien qu'un moment arrive pour les exploiter. Oui, Christian, je te vois venir avec ta question. Mais je veux dire que je reviens encore sur un concept très clair. J'ai dit, tout n'est pas vendre. Tout n'est pas vendre. Si nous partons sur ce postulat-là, on va comprendre que ce n'est pas le seul gisement au Cameroun. Il y en a assez au Cameroun. Moi, je pense que si une étude avait été faite sur chacun de ces gisements-là, je pense que Ebodje devait venir en dernière position. Et si Ebodje vient en dernière position, ça veut dire qu'il y a d'autres gisements qui peuvent faire l'objet d'exploitation. Et je dis encore ceci, que ce que nous regrettons, c'est la démarche qui aboutit à la signature de la convention. Ça veut dire que tout est fait dans un vase clos. Personne n'a l'information jusqu'à un de ces matins. On écoute, on nous dit il y a signature de contrat. C'est ça le véritable problème. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on a à cacher? Parce que moi, je pense que la conclusion du premier rapport, premier draft de ce projet, pouvait faire l'objet d'une communication. Hein? On devait communiquer là-dessus et dire, bon, voilà par rapport à ce projet de Ebodje, voilà ce qu'à la fin de la directive, voilà ce qu'on parle, on a fait le rapport final. Hein? Et qui devait être partagé. C'est-à-dire que cette connaissance devait être partagée et qui devait permettre aux populations. Parce que nous allons revenir sur les populations riveraines. Oui, l'expert a évoqué quelque chose d'important. On va développer ceci, on va développer. Mais si vous développez quelque chose pour des personnes qui n'existent plus, parce que l'expérience en train de nous montrer qu'à un certain moment, parce que lorsqu'on parle d'exploitation d'un gisement, les gens pensent que c'est une petite carrière où on creuse du sable. Non! Non, monsieur! C'est quelque chose de sérieux. Donc, ça veut dire que quelque part, on va se rendre à un moment, il n'y aura plus encore une population sur le terrain. Il a évoqué, par exemple, rien que les nuisances sonores. Nous prenons rien que les nuisances sonores. Vous ne pourriez plus encore vivre dans. On parle d'une industrie minière. Ce n'est pas l'exploitation minière comme nous voyons à l'Est, là, où les personnes sont dans les trous, ils creusent, et ils recueillent un peu d'or. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose de très sérieux. Et nous avons dit, lorsque vous voyez même le plan de développement, ils vous disent qu'à côté de l'exploitation, il y a d'autres unités industrielles qui vont voir le jour. Autant de choses qui vont davantage évacuer les gens. Donc moi, j'ai dit, à un certain moment, Ebodje n'est pas devenu le centre, n'est pas le centre du monde, ou bien n'est pas le seul endroit où le Cameroun va sortir de son sous-développement à partir de Ebodje. Nous pensons qu'il y a plusieurs gisements miniers au Cameroun. Et nous pensons que si des études on trouvera la bonne solution. En attendant, nous pensons que Ebodje, pour l'instant, est bâclé. Et nous sollicitons vraiment l'intervention de la haute hiérarchie du président de la République pour qu'on revoie encore les thèmes de ce contrat-là. Même l'Association des ingénieurs miniers du Cameroun l'a dit. Le gisement d'Ebodje est le moindre. C'est-à-dire qu'en termes de quantité, il est le plus petit. Je vous ai parlé de Malam, je vous ai parlé d'Ntem. C'est depuis des dizaines d'années qu'on parle de ça. Pourquoi l'exploitation n'a pas abouti? Allez à l'Est, il venait d'évoquer l'Est tout à l'heure. Allez regarder ce qui se passe à l'Est. Vous arrivez à Kambélé, dans le village Kambélé, vous allez à Demdeu. Il n'y a plus de forêt. La pêche n'existe plus. Pourquoi? Les cours d'eau, soit ils sont pollués par le mercure, soit ils sont pollués par la boue qu'on extrait parce qu'on creuse de l'or, soit ils sont pollués par d'autres. Certains même ont complètement dévié de leur cours. Le poisson, ils n'en trouvent plus. Pour avoir le poisson à Kambélé, on est obligé d'aller chercher le poisson à Lompanga.
La nourriture, pour acheter de la nourriture à Kambélé, ça coûte extrêmement cher. Il n'y en a plus. C'est la même chose. Là-bas, comme il disait, nous sommes encore à l'exploitation artisanale. Bon, on va dire semi-mécanisée. Oui. Mais c'est grave ce qui se passe là-bas. C'est désastreux. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut reproduire à Ibouye? Donc, en fait, le visage d'une industrie minière qui sème désolation, misère derrière et désastre, entre autres, est ce visage-là qu'on voit transplanté du côté des Ibouye? Absolument, absolument. C'est pour ça que je disais tantôt, on peut choisir. Moi, je sais, le Cameroun, on a dit que le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Donc, en clair, et ça pose la question, et peut-être pour se rejoindre sur ce plateau. Bon, pas forcément, pour essayer d'aller tout au moins vers une direction pour que nos auditeurs et téléauditeurs comprennent. Ça pose donc le problème de l'opportunité de choix de l'exploitation. Exactement, mais Christian, c'est même la question fondamentale, l'opportunité de choix de l'exploitation à cet endroit précis. On aurait pu aller faire ailleurs, que ça n'aurait gêné personne. Puisque les populations des Ibouye vous disent, nous on n'est pas contre l'exploitation, que le pays exploite sa ressource du sous-sol, on n'en est pas contre. Mais les impacts, nous sommes un petit peuple qui va disparaître. Nous vivons de la pêche, de la petite agriculture, nous vivons de l'écotourisme. À Ibouye, la protection des tortues a envoyé des générations d'enfants à l'école, de la maternelle jusqu'à l'université. Cette activité va disparaître, parce qu'avec l'exploitation industrielle, qui va encore aller là-bas? National Anticorruption révèle que sous-préfets, préfets et gouverneurs sont englués dans le monnayage des services publics, le fonds en écriture, le fonds en usage et signature, la concussion dans la vente des terrains relevant du domaine privé de l'État, etc. Des actes pour lesquels les autorités administratives ne sont pas souvent sanctionnées, dit le journal. Conséquence de cette impunité, la corruption continue de grimper et de faire des ravages. Thank you.